Et bonjour YouTube. Ça y est, l'expédition est arrivée visiblement. En tout cas, on a un événement, Dragon de Fer, face à un redoutable vaisseau pyrophorien. Votre expédition est enfin parvenue en Amérique du Sud et vos hommes n'aspirent plus qu'à un repos bien mérité. La nuit est tombée sur la baie paisible où mouille votre navire quand la vigie s'écrie soudain « Derrière nous !» Là surgit de l'obscurité. Un dragon de fer, bla 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 bla. Profitez de l'obscurité pour passer inaperçu ou combattre. Chance de réussite 32%. Enfin, plus 32%. Plus ou moins préparé à entreprendre cette action. Allez, on y va pour la baston. Vous visez juste, mais le dragon s'apprête à déchaîner son souffle infernal. C'est un adversaire qui en impose. Sa taille démesurée, sa puissance, son épais blindage ou vos projectiles semblent ricocher sans causer le moindre dégât. L'équipage semble résigné. Quand il s'avise tout à coup que ses tirs savamment ajustés à la poupe du dragon, bien qu'apparemment inoffensifs, ont provoqué une avarie dans la salle des moteurs. En réponse, des silhouettes masquées s'activent autour de la gueule du dragon, un grand canon de feu. Vous devez agir vite. Profitez de l'occasion pour fuir ou continuer de tirer sur le moteur affaibli. Allez, j'ai chargé plein de canons sur mon navire avant de partir, c'est bon quoi. Cette fois, votre visée n'est pas aussi juste. Ah, vos boulets ricochent sur le bordé métallique comme s'ils n'étaient que de vulgaires billes. La gueule du dragon de fer s'ouvre béante au-dessus de votre frêle esquif et la première gerbe de flamme qui en jaillit brûle vif les hommes de la dunette. Les deux navires sont assez près l'un de l'autre pour tenter l'abordage, mais les pyrophoriens sont trop nombreux. Vos options se réduisent à peau de chagrin. Vous pouvez soit semer la confusion en lançant des grenades à main, soit vous prendre à la gueule de feu. Encore une fois, j'ai le plus 32% parce que j'ai chargé des armes avant. Donc prenons ça. Le tir fait son œuvre. Une capsule de gaz qui alimentait leur canon est chassée de son logement. Elle recrache des flammes partout sur le pont ennemi, tandis que les silhouettes encapuchonnées s'efforcent de reprendre le contrôle de la situation. Alors que votre équipage s'échappe, il est contraint de longer le navire ennemi d'assez près pour apercevoir les bardages de métal, l'armée des masques, railleurs et le brasier d'une gueule à feu qui aurait pu sceller leur perte. Vous écoutez, je crois que vous entendez. L'expédition peut repartir à la recherche de Sarmento, mais l'inquiétude règne. Comment pourrait-il en être autrement ? Un emplacement parfait pour un camp de base ? Ben oui. Donc on est au bout, quoi. Capitaine attend vos ordres. C'est si gentil de préserver un jardin secret pour moi. Et fous-moi la paix. Distribuer des rations supplémentaires, continuer. Pour entretenir leur bonne humeur. Quoi ? Rentrer. Continuer l'expédition. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Oscur. Les rations. Allez, va pour les rations. Et du coup, ça y est, on est dans le vieux monde, là. Donc. On est à destination, quand même. Il est temps d'aller défier l'horizon. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Menez à bien l'expédition, mais moi je ne demande que ça, chère madame. Attends encore. Ah, ils ont pas encore fini. Ok. Où est-ce qu'on voit par contre? Bah, je suppose que j'aurai un message du coup. Ah, on peut pas voir, ok. Donc faut vraiment attendre, quoi. Bon, donc j'ai une pénurie de main-d'oeuvre. Par contre, j'ai moult pognon. Pénurie de main-d'oeuvre ouvrier. Bah, allons-y.
Ok, on est assez à l'équilibre pour l'instant. Je vais avoir besoin d'encore plein de maisons. Assez hallucinant tout ce qu'on en a besoin, n'empêche. Je peux pas en faire encore une petite. Moi j'ai pas assez de bois, c'est ça? Ah, bâtiment détruit. Ah, j'ai peut-être pas assez de briques. Bah si. Tout est pas parfait, hein. Et alors? Ah mais non, simplement les maisons sont pas pleines. Ok, d'accord. Si par contre elles le sont. Bah là en fait. Est-ce que je peux faire ça? Yes. Oh, cette interface de la propreté. Pompiers, police, école. Bah oui, ici tout est parfait en fait. Et du coup, je manque à nouveau de fermiers. Incroyable tout ce qu'il en faut, hein. Il va même falloir faire gaffe parce que il s'agit quand même de nourrir tout ce petit monde après. Genre, on va arrêter de vendre le poisson, on va arrêter de vendre le pain et on va arrêter de vendre les vêtements. Main d'œuvre insuffisante. Ah bah oui, j'ai pas assez de fermiers. Moins 210. Ah oui, quand même. Partie sauvegardée. C'est vrai qu'il faut quand même méchamment s'étendre dans le jeu. Ok. Par contre, j'ai beaucoup trop d'artisans. Et d'ouvriers. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec les artisans, tiens? On peut faire un zoo. Ça va coûter une blinde, ça, non? On peut faire un théâtre de variété. Oh là là, en fait, au début, il faut tellement... Amiral! Amiral! En début de partie, il faut tellement prévoir de la place pour les trucs de... De fin de partie. A besoin de vous. Ah. Je vais vous annoter la carte avec un S. S'exclame Ramon, l'homme que Sir Archibald a envoyé vous accompagner. Pourquoi pas un X? S'étonne le capitaine, l'air déçu. S comme Sarmento. Oui. Dévoguer. Rendez jour. Le long de la côte du Nouveau Monde. Désormais, c'est à vous de décider comment vous allez poursuivre le voyage. D'accord. Donc devant une large embouchure vous invite à remonter le fleuve et à braver les périls qu'il dissimule dans ses méandres. Peut-être qu'on aurait intérêt à passer par la terre ferme, avance le navigateur plein d'espoir. Pourtant il suffit d'un regard sur la lisière des arbres noirs et compacts pour s'en dissuader. Quel est le moindre des deux mots? Remonter le fleuve ou s'engouffrer dans la jungle? Remonter le fleuve. Le dragon pyrophorien vous a retrouvé. Ah ben génial. C'est d'abord difficile à croire, mais le rugissement des moteurs de l'épaisse et l'épaisse fumée qui s'élève au-dessus de la mangrove ne trompe personne. Vos hommes qui s'étaient même payé le luxe d'admirer d'étranges parterres de fleurs jaunes sur la rive sud se retrouvent entre Charib des Scylla, car plus en amont bouillonnent de puissants rapides. Oula, alors que le cuirassé ennemi a forcé l'allure, sur un côté s'ouvre un passage étroit où un navire habilement barré pourrait s'engouffrer. Sinon vous pourriez pilonner les hautes parois rocheuses pour bloquer le passage. Bah encore une fois, utilisons nos armes. En vrai, la flemme des développeurs avec l'expédition juste en texte, c'est pas faux. Salut Keponk.
devrait vraiment faire un embarcadère sur toutes les îles. Ça aide à mort pour la gestion des populations. Pour la gestion des populations ? Un embarcadère ? Ça sert à quoi ? C'est pour transférer de la population d'une île à l'autre ? Trop peu de roches tombent à la fois, ce maigre déluge ne fait rien pour dissuader les pyrophoriens d'avancer et vous n'avez pas d'autre choix que de défier les rapides. Soudain, le navire percute deux des affleurements les plus escarpés, la coque souffre le martyr, elle n'a jamais été conçue pour de tels calvaires, de telles cavalcades fluviales. Je vais y arriver, il est tard. La coque malmenée cède en plusieurs endroits, le cuirassé pyrophorien a beau renoncer et repartir vers l'aval, vous avez une décision cruciale à prendre, préparer le navire ou débarquer. Allez, on utilise le bois. On répare. Ramon se confond en excuses, mais n'y peut rien. Vos explorateurs se sont engagés dans des tunnels étroits et oppressants, et l'un d'eux s'évanouit, pris d'une crise de claustrophobie. Après plusieurs heures d'une pénible reptation dans la boue rouge et le guano, vos hommes finissent par déboucher dans la clairière désignée par le S de votre carte. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» s'éclame un jeune matelot, le doigt pointé sur un abri fortifié à moitié enseveli sous le tapis de végétation. « C'est abandonné depuis longtemps, » s'exclave-t-il. Vos informations datent d'un peu Ramon. C'est alors qu'une voix retentit, vous ne croyez pas s'il vient dire, des fusils surgis de nulle part sont braqués sur vous, un homme encapuchonné fait irruption et vous interpelle. Vous venez avec nous. Voilà. Ah, ce serait Isabelle Sarmento. Qui êtes-vous, aboie-t-elle? Qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est sa majesté qui nous envoie, Samuel Goudet, mon père, les... Pyrophoriens nous pourchassent. Ouais. Je vais lui dire que c'est mon père. Les yeux d'Isabelle crépitent de colère. Ah. Ainsi, on a accusé votre père de trahison pour l'avoir vendu à nous autres misérables rebelles. Et vous venez ici réclamer justice. Votre père aurait dû y réfléchir à deux fois avant de nous la vendre. Un marché est un marché. C'est l'aveu même que la transaction n'a été profitable pour personne. Elle saisit du tonnet et vous renverse du vin sur la tête. Vous êtes bien que je vais passer ma colère sur vous. C'était le bon choix. Même si c'était mon père, les pyrophoriens ont dû lui forcer la main. Avouez, vous avez conspiré avec les pyrophoriens pour l'acheter. Allez, on va faire profil bas. Elle repose le tonnet et y fiche son poignard pour reboucher le trou qu'elle a creusé. Ainsi, les pyrophoriens sont vos ennemis. On m'a rapporté qu'ils s'en étaient pris à vous, à bord d'un dragon de fer. Elle expire nerveusement. Je n'y ai pas cru et pourtant vous avez risqué votre vie pour venir ici. Isabelle fait un signe à ses gardes pour vous détacher. Autant écouter ce que vous avez à dire. Bon bah voilà, ça se passe pas si mal. Et donc ça y est, le nouveau monde. Ainsi, vous nous avez trouvés. Jetez donc un œil aux alentours. Qu'est-ce que les laquais de l'Empire pourraient nous infliger de pire que les pyrophoriens? De grâce, mademoiselle Sarmento. Si nous sommes là, c'est dans le seul but de prouver l'innocence de... Vous avez vu des maisons brûlées, encore un complot. Good? L'homme qui m'a vendu la précieuse île de la Reine? Il est tout aussi coupable que moi. Je ne sais pas pour vous, mais mon père, lui, n'aurait jamais trahi sa reine. Je mentirais d'après vous? L'amour est aveugle. Bien avant qu'ils ne laissent leur marque flamboyante, les pyrophoriens m'ont dit que votre père viendrait pour me vendre Prosperity. Je savais que conspirer contre l'Empire se retournerait contre nous. Quand j'ai refusé de coopérer avec les pyrophoriens, ils sont venus nous donner une leçon. De ce qu'on sait des pyrophoriens, cela m'étonnerait qu'ils soient particulièrement impressionnés. Les pyrophoriens nous ont pris Prosperity aussitôt que le contrat a été signé. Oh, c'est beau! Ah, les décors sont quand même assez différents. Oh, un train! Nuit et jour, pour rien, nous avons perdu la force de combattre. Recule! La peur ne nous a pas quittés. Et même si nous avons enterré nos morts et trouvé un refuge, je ne peux pas leur offrir un abri à tous. Votre situation n'est pas enviable, mais je me dois encore d'insister.
pour notre père. Vous insistez ? Très bien. Aidez-moi à abriter et protéger, comme il se doit, les braves gens qui se sont ralliés à ma cause. Si je constate que vous êtes digne de confiance, alors je vous retrouverai le contrat qui a scellé la vente de Prosperity. Nous sommes d'accord ? Ainsi, cette ère de légende existe vraiment. Et merci au dernier follow d'ailleurs, type ad, Kiwasta Chevalier. Bienvenue, merci pour les follows. Bon, en fait, ça prend en compte tous les différents types. Donc, l'embarcadère, ça prend en compte tous les différents types de population sur toute la carte, comme si j'avais qu'une seule île. Donc, on peut faire une île de pécor, une île d'ouvrier, etc. Ah ouais! Pas mal ça. Capitaine vous informe qu'une expédition a découvert une nouvelle région. Ben oui, mais j'y suis. Expédition zoologique. Chapitre 3. Un voyage motivé par l'hypothétique apparition d'un animal rare. Construisez-nous un refuge sur la isla. Ouais, mais je suppose que ça c'est pour plus tard, quoi. Je vais pas envoyer une truc maintenant. Ensuite, nous vous rendrons l'appareil. Donc, il faut partir de là maintenant. Ne me fie pas plus à votre empire qu'aux pyrophoriens. Nous ne sommes que des pions dans leur jeu. Mais du coup, il va falloir que je gère en parallèle l'autre côté. Qu'est-ce que j'ai comme stock ? Un peu de bois, un peu de briques. Un numéro d'un positivisme assumé. Incursion dans le Nouveau Monde, d'accord. Je peux commercer entre mes zones. Ah ouais, et attendez. Partie sauvegardée. Du coup... Qu'est-ce qu'il y a, ça ? C'est prêt à partir sous presse. Encore un journal ? Voilà l'imbécile. Ah bah voilà, ça c'est un beau journal. Oh, oh pardon, je croyais que c'était... Vas-y, publie. Photo. C'est essentiel d'être fidèle. Alors. Donc je pourrais faire des routes entre le nouveau et le vieux monde. Route d'affrètement. Créer une route d'affrètement pour transporter des marchandises entre vos îles. Et route commerciale entre des îles pour transporter ou faire le commerce de marchandises. Quelle est la différence ? Ah, c'est genre, il prend tout ? Route d'affrètement, c'est par exemple, je donne une ressource et il vient tout chercher à un endroit et tout décharger de l'autre, quoi. Ah ouais. Non, ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Mais donc, ok. Alors, du coup... Qu'est-ce qu'on fait de ce nouveau monde ? Affrètement ne transporte qu'une ressource. Ok, donc ça, ouais, c'est une route de commerce préconfigurée pour transporter une ressource en masse, quoi. En clair. Du coup... Main d'œuvre critique, bah oui. Ouais, mais genre ici, je vais pas pouvoir en faire des masses, des baraques. Vous avez franchi une nouvelle étape. Alors, on va faire un marché. Ici. Paf. Non,
entrepôt là. Merde. Ah, oh, j'ai déjà pas assez de bois. Pratique pour faire du commerce sur des routes à risque. Le bateau d'affrètement, c'est un bateau neutre? Ah bon? Où ça au juste? Pas d'entrepôt à porter, bah oui. Mais... Ainsi, cette ère de légende existe. Allez, préparez-vous. On nous a rapporté un accident maritime, à nous d'aller sur place pour sauver ce qui peut l'être. Ça vaut la peine ça? Non, on va pas prendre ce genre de truc maintenant. Amène ton bateau sur ta nouvelle île. Le cap est tracé. Ah, il contient du bois. Bien vu. Et de la bouffe. Salut Guilan. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Comptez sur nous. Ah, c'était un autre bateau qui est passé. Ok, j'ai cru que c'était le mien. Mais non. Oh, c'est grand la map. Hein. Oh, le temps qu'il lui faut pour arriver. Tu vois, en économie, je suis bien. Très bien, même. C'est François David sur YouTube. Ah, d'accord. Ah, encore quelqu'un qui a franchi le pas. De YouTube à Twitch, bravo. Voilà, entrepôt, c'est bon. Partie sauvegardée. Et si j'étais lésé dans l'affaire? Que donnez-vous? Ok, voilà. Tasse de café du bois. Vous jouez depuis 2 heures. Et voilà. Ressources en bois, elle arrive. On va en profiter pour faire quelques baraques de plus. Je peux pas encore faire de poisson ici, tiens. Donc en fait, dans le jeu, si... si je centre, si je résume bien, il y a moyen en bout de course d'avoir vraiment une gestion uniquement très très globalisée, quoi. Très généralisée. Dans les 20 premiers sur Twitch. Ah, ok. Chat a l'air bien calme. Oh bah sur du anneau, c'est sûr, tout est plus calme. Salut Spirtacle. Mais c'est bien, c'est le petit jeu de la détente, anneau. C'est ça qui est cool. Veut récupérer un groupe de réfugiés. Les pyrophoriens usent les plus faibles jusqu'à l'os. La isla est leur seul espoir de s'en sortir. Ouais, ouais, j'ai que ça à foutre de toute façon. Donc à la limite. Prosperity, je veux voir cette île sordide. Et là, c'est quoi? Nous nous rallierons à vous à une seule condition. Demande. Que nous restions libres d'écrire notre propre histoire. Ah ouais, elle voudrait bien des armes. Ça tombe bien, j'en ai plein, plein ma soute. J'en ai 37. Donc ouais, je pourrais lui proposer ça. Pas le dos dans ce combat. Elle va acheter sa chair, n'empêche, non? Agissez. Pourquoi il me dit que le poisson est en augmentation? Je peux pas en produire. Ah, peut-être que je peux pas faire de poisson ici, en fait.
Bien, bien. Ah mais oui, ils s'en foutent du poisson, eux. Ok, donc là, ça y est, on est comme dans Anno 2070, on a une population différente, qui a des besoins différents. D'accord, eux, ils veulent plantation frites. Ah, plantain frites. Il faut de l'huile et des bananes. D'accord. On va s'étendre. Hein. Non, je peux pas faire ça. Ces gens, ils ont besoin d'un héros. Matériaux de construction manquant. Oh. Ouais, fera un peu chier de construire ici. Quoi, le pont faut du bois, c'est ça? Ah ouais, il faut 22 bois. J'ai combien ici? 21, ça y est. J'étais très malade avant cette intervention divine. T'as des quoi? Ah voilà, j'ai les réfugiés. Et je dois les livrer. Restez sur le cap. Toujours un truc à faire dans ce jeu. T'as mis sur YouTube la totalité dernier stream Légion du Tertre. J'avais l'impression qu'il en manquait un bout. Est-ce que tu vas continuer la campagne? Non, tout a été mis en ligne sur la Légion du Tertre. Tout ce que j'ai fait. Mais ouais, j'espère la continuer un jour, j'aimerais bien. Mais bon, le truc c'est que voilà quoi. Je sais pas trop quand. Ah, il faut 6 planches. Voilà. Partie sauvegardée. Hop là. Voilà le progrès. Donc des bananes. Faut encore ça. Encore 6 planches. Et encore 2 planches. Donc ça je peux déjà le faire, même si bon, c'est pas hyper utile. Pour la plupart, ce ne sont que des civils. Ils espèrent vivre quelque part où ils seront enfin en sécurité. Ah bah, il me faut 6 planches pour la suite. Hein. Un messager nous a apporté une lettre. C'est bon, c'est ok. Vous ignorez à qui vous avez affaire, rejeton de Samuel. Affaire. Si vous tenez à la vie, partez. Si vous tenez ou vous brûlerez tous. Partez, ou vous brûlerez tous. Le méchant. Le secret est éventé. Il n'était pas assez clair. Votre implication est connue. Ouais, je veux lui vendre des armes. Les persécutés viennent se réfugier sur la isla. Nous devons les recueillir. Ok. Mais du coup... Si je reviens là... tout va bien ? Comment ça se passe ? Les entrepôts sont submergés ! Entrepôt submergé, mais non, tout va pas bien. Ah, ça y est, j'ai accès au truc du nouveau monde. Mais truc du nouveau monde. Ils en ont quelque chose à foutre, les habitants de l'ancien monde, que je rapporte des trucs du nouveau monde. Est-ce qu'ils veulent du rhum ou bien ils s'en tamponnent? Ah, j'ai des carreaux. Là, je pourrais faire des trucs. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos artisans? On a de la main-d'œuvre à crever. On peut produire des machines à coudre. Avec du fer et du bois. J'ai les deux. Ça passe pas, ça. Ah ouais. Ah mais c'est une usine. Mettons-la là.
Voilà, Lucie. Qu'est-ce qu'il met là? Disponibilité 0 sur 200 réservé. What? Non, j'en ai à crever. Tiens, j'ai du verre qui se stocke pas mal. Du coup, je devrais peut-être faire une deuxième vitrerie. Ouais. Salut Spécinius. Le rhum, le coton, le tabac, le café, etc. Le nouveau jeu de Paradox, Imperator Rome, tu comptes éventuellement y jouer. Les jeux Paradox, je les connais pas très très bien et j'avoue que me lancer dedans, ce serait ça me prendrait énormément de temps. Ce que je n'ai pas forcément pour le moment, parce que j'ai un peu trop de projets en tête. Donc, je crois que je vais faire l'impasse dessus. Je peux faire des conserves. Il me faut un élevage de gros bétail. Des poivrons, cuisine artisanale et puis avec du fer et waouh, toutes les ressources qui commencent à se mélanger dans tous les sens. Hôtel de ville, j'ai déjà hôtel de ville, non? Ah non, c'est corporation. Ça fait quoi du coup l'hôtel de ville? Utile uniquement si des objets sont en stock. Placer des objets pour appliquer des bonus. Ouais. Pas très très intéressant pour l'instant. Ah, j'ai pas assez de vitres. Il me manque certains matériaux. Pas assez de bois. Fuc. Pas assez de bois. Ah ouais. Tout est transformé du coup. Parti sauvegardé. J'en ai trop. Elles sont où toutes mes Siri? Ah, j'en ai deux. Du coup, je vais les virer. Donc, visiblement, je vais avoir besoin de pas mal de bois. Je vais faire ça. Production de plus. On pourrait construire des bateaux du vieux monde au nouveau avec des armes. Beaucoup trop de temps sur Fortnite, t'as plus de temps. Ben c'est ça en fait. C'est un peu le problème. Ça déborde de partout. Encore trop de poissons? Ah oui. Oh par contre l'alcool, de nouveau qui manque, mais quelle bande de soifards bordel. Pas possible ça. Oh, pile poil. Alors. Est-ce que j'ai des patates au fait? Ah ouais, mais des patates, j'en ai plein. En fait, c'est surtout des distilleries qui me manquent. Alors, voilà deux. Non, voilà trois. Et je crois qu'il me manque aussi des vêtements. Un centre de désintox, c'est vrai que ça irait plus vite. Des vêtements, effectivement, j'en ai pas assez. J'ai du fil, ouais. J'en rajoute une. J'aurais peut-être faire un élevage de moutons quand même supplémentaire. Voilà. Et limite je refais voilà. Comme
comme ça. Ah, pas assez du coup de main d'œuvre fermier. On doit vraiment passer sa vie à faire des maisons dans ce jeu. J'ai peut-être été un petit peu violent la dernière fois sur les améliorations, quoi. J'ai amélioré trop de trucs, hein. J'ai beaucoup trop de main-d'œuvre d'ouvriers. Un incendie s'est déclaré. Main-d'œuvre insuffisante, bah oui. Ah non. Si c'est bon, les pompiers, ils sont sur le coup. Bah, le bâtiment est déjà détruit. What? Ça a été si vite que ça? Attends, les pompiers pouvaient intervenir. C'est que ces conneries. Est-ce qu'on a de la bière au moins? J'ai du houblon en tout cas. Pas de bière. Ah oui, est-ce que j'ai du malt? Oui, plein. Eh ben alors. Est-ce qu'on attend pour être heureux? Ah, c'était une explosion. Il a explosé le bâtiment carrément. Parti, sauvegardé. Trop de chariots. Ouais. Du coup, il me faudrait un autre en fait ici. Voilà. Deuxième entrepôt. C'est vrai que la zone ici commence à être fort industrialisée. Du coup, ça fera pas de tort. Besoin de plus de bras. Ok, là c'est une scierie. Donc très bien, je vais en profiter pour gagner un peu de place pour des baraques supplémentaires. Ouais, je manque toujours de main d'œuvre. Mais non, qu'est-ce que je fous? En fait, ce que je pourrais faire... Je vous tire mon chapeau. Fermier, ouvrier... pourrait diminuer un peu, hein. Peut-être plus malin. Le cessez-le-feu a expiré. J'ai beaucoup trop de... Ah. Beaucoup trop d'ouvriers. Voilà. Là, on est mieux. Ok. Pognon, tout va bien. Population 5000. Eh ben, très bien. Donc la bière, ça arrive. Ah, savon, je risque d'en manquer un petit peu. Mais je vais peut-être me tracasser vraiment plus de ce que je peux faire avec les artisans. J'ai l'impression que la production de vitres est vraiment trop lente.
que j'arrête de vendre les planches. Mais c'est quoi ça? Coton. Esplanade agréable. Ah ouais, voilà des trucs de... Oh, les petits trucs de déco. Oh non, si je commence avec ça, j'aurai jamais fini. Port moyen. Amarrage public permet aux visiteurs de faire escale sur votre île. Et ça sert à quoi? Les gens viennent en tourisme et ils viennent dépenser leur argent? Et ça, ce serait cool. Rue de réparation, répare les navires et bâtiments voisins. Embarcadère, procure un surplus d'espace aux navires pour charger et décharger des marchandises. Ouais, ok, c'est, tout ça, c'est vraiment pour upgrader tout ce qui touche au commerce et tout, quoi. Canne à sucre, romerie. Ouais, mais il y a tellement de trucs. Je me noierais volontiers. Alors, donc, on a les conserves, hein, toujours. On va peut-être me tracasser des conserves. Sinon, je peux aussi me tracasser de la mission, quoi. Et aller sur le nouveau monde. Oh, on peut basculer aussi vite que ça. Ah oui. Ah, mais c'est bon, maintenant j'ai plein de bois. Donc, en avant. Des concurrents ont conclu un accord de paix. Alors, il m'en faut 300, je crois pas que j'ai assez. Quoi ça, c'est un entrepôt? Ah oui, du coup je peux pas faire de caserne, je peux rien faire quoi. Ok, l'île est quand même mal foutue hein. Ouais non, mais j'ai zéro place. Et quoi ça? Des caisses. Partie sauvegardée. Il vient récupérer ça, toi. Ah ouais, non. Je veux vendre. Vas-y, vends-les. Où est-ce que je peux le taper pour vendre? Des défenses, elle commerce pas. Pour changer. C'est difficile de se. De nouveaux ordres, amiral. Bon. Je ne sais pas. Je vais venir récupérer les caisses. Puits de pétrole. J'attends toujours que ça arrive. Oui, absolument. Donc là, ce qu'il me faut, c'est de l'huile. D'accord, c'est un bâtiment. Il se fait sur la plage, très bien. Et ben voilà, c'est parti. Allez plutôt vous asseoir à l'ombre. Un dernier coup d'œil? J'espère que le moment est propice et que vous êtes... Pas de cabaret. Il n'y a toujours pas de cabaret à Dishwater. Mais bande d'esprit lubrique. Entente cordiale. Place forte financière. Et c'est quoi? Interchangeable avec un article de propagande. Importance du bien plus 5%. Pour vous remercier de tout ce que vous avez fait. Pour me remercier, elle me fait un cadeau. Récompense cachée. Oh non, j'ai pas que ça à foutre. Du journalisme sans compromis. Tout le monde a le droit de changer d'avis. Deux flèches sur le menu de ton navire à gauche. Des concurrents ont conclu un accord de paix. Une frégate de première classe. Ah, d'accord, quand je suis suffisamment près du port, il faut que je clique là, quoi. D'accord. Et ça, c'est quoi?
Oh, des groupes de baleines. On peut les chasser. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de ressources à prendre. Alors. 177 sur 300, bah il m'en faut encore. Ok, on va avoir les 300. Qu'est-ce qu'il a chopé, lui? Il a récupéré le truc? Pas l'air d'avoir grand-chose. Du coup, je vais le renvoyer à nouveau là-bas, vu que... pas grand-chose d'autre à faire. Vous avez franchi une nouvelle... Voilà. J'ai pas assez en fait. Par contre, maintenant je peux faire des ponchos. Élevage d'alpaga. Et puis fabrication de ponchos. Ah oui, mais sur cette île, il y a tellement pas de place. L'incendie échappe à tout contrôle. Ah merde. Où ça, où ça, où ça? Oh non! Pas là! Ces flammes ne doivent vraiment pourquoi rien ils sont pas à la chaleur contents du climat. Parce qu'ils ont rien. Ah oui, mais merde. Ah, oh, foutu incendie. J'aurais dû faire tout beaucoup plus tôt en fait. Et vu que le marché est en feu, ils sont pas contents parce qu'ils ont plus rien. Parti, sauvegardé. Allez, maniez-vous. Pensez à tout, hein. Ah ouais, mais ça brûle à deux endroits différents en plus. Non. Quelle saloperie. Faudrait que j'en fasse une deuxième du coup. Ok, il y a le truc qui est sauvé. Votre ville s'est enlaidie. Votre ville s'est embellie. C'est bon, le marché est remis. L'incendie a fait des ravages. Ouais. Ainsi, les incendies commencent. C'est leur mise en garde. Vous devez trouver ces individus masqués qui marchent. Oh, les enculés, c'est eux! Il en faut du courage pour sauver toutes ces vies. Un élevage d'alpaga, donc. Je suis si heureuse que quelqu'un nous vienne en aide. Nulle part vous portez pas d'entrepôt, ça. Oui. Je m'en doutais un peu. Et fabrication de poncho. J'ai plein de main d'œuvre, ça tombe bien. Construisez un poste de police. Allons-y. Quelles incroyables nymphalidées. Permettez-moi d'observer ces papillons de plus près. Na. Grâce à vos patrouilles, nous pouvons prendre les pyromanes sur le fait. Tendez les cordages. Vous presse de quoi ? L'incendie a été maîtrisé. Il y a trop de trucs à faire dans ce jeu. Attendez. Prêt à évacuer d'une seconde à l'autre. Une
nouvelle expédition, amiral. 456. 456 pour tout ça ? Ah oui, non, 16 456, la pièce, on est d'accord. Parce que j'ai vraiment besoin de thunes. Bah oui, vas-y. Je suis si heureuse que quelqu'un nous vienne en aide. De nouveaux ordres, amiral. Je suis toujours en train d'en produire de l'autre côté. Hein. Donc ma foi, pourquoi pas. L'incendie échappe à tout contrôle. Quel incendie, c'est de l'autre côté maintenant. Bah oui. Une caserne ou pas? Bah non. Évidemment. Ah si, il y a quand même des pompiers qui sont sur le coup. Mais enfin, une caserne de plus, ça fera pas de mal. Très bien. Stockage sorti assuré. Ah ouais. Cachez-moi ces bouteilles. Il y a le chef. Cachez-moi les bouteilles, y'a le chef. Saloperie. Cache pas les bouteilles quand le chef arrive, on lui sert un coup. Qu'est-ce que je voulais voir? J'ai pas de bière. Pas assez de saucisses. Blindé de voile. Blindé d'acier. Pas mal de thunes aussi. On va peut-être commencer à organiser un petit peu du conflit, quoi. Est-ce que je peux construire des bateaux un peu plus gros, un peu plus velus? Ça, par exemple. Navire de ligne. Emplacement de fret 3. Emplacement d'équipement 3. Point de vie 4000. Dégâts 53. Pas mal, ça. Emplacement de fret 4. Parti, sauvegardé. Ah ouais, celui-là, un clipper. Apparemment, il a plus d'emplacement de stockage. Mais beaucoup moins de points de vie. Et ça, une frégate. Pas beaucoup de points de vie, pas beaucoup d'emplacement de fret. Ouais, c'est plus petit, quoi. Allez, on va faire un navire de ligne pour voir. Combien ça coûte en entretien? 250, ben, ça va. C'est peut-être ça, en fait. Ah non, c'est un clipper, ça. D'accord. Ah. Encore un incendie? Oui. Ah oui, mais il faut vraiment... Attendez. Les artisans, ils ont une route de plus, non. Pas que de temps en temps, je fasse ce genre de truc, quoi. L'incendie a fait des ravages. J'adore les pompiers. Ils m'aident tellement. J'adore les pompiers, surtout leur calendrier, hein. Clipper indispensable pour le commerce, les navires de ligne sont top pour le fight. Ah bah je vais lancer un clipper aussi, tiens, ça on verra. Où est-ce que je peux faire des conserves, donc ça, poivron. Je peux faire ça sur cette île, hein. On va pas se casser le cul, d'autant que je peux faire des poivrons. Donc en avant. Voilà. Ouais, j'ai plein de main d'œuvre. Je vais en faire un deuxième tout de suite.
Voilà. Et donc, un entrepôt. Il y a de l'amour. Et là, c'est quoi ? Du cuivre. J'ai pas encore besoin de cuivre pour le moment. Je produis pas de poisson ici, on est d'accord. Ah si. J'en ai deux. Ouais, j'ai trop de stock. Donc en fait, ça va. Normal, tous ces incendies, ouais. Bah, du moment, à partir du moment où les pompiers sont bien positionnés, on peut l'oublier. Hein. Les incendies ne sont problématiques que quand les trucs sont pas bien mis. Car Léonard vont le machin à acheter des parts de l'île. Ah, oui, pas chez moi. Ok. Donc on commence à faire du poivron. Alors ensuite, pour ça, il me faut aussi de l'élevage de gros bétail. Autant le faire au même endroit. À la limite, je peux produire de ça sur cette île-ci. Et puis je rapatrie la cuisine artisanale sur mon île principale. Et là, je mets des conserveries puisque j'ai des mines de fer de l'autre côté. Donc allez, hop. Du bétail. Voilà. Et donc, cuisine artisanale. Ah, qu'est-ce qu'il faut? Ah bah oui, il faut du verre. D'accord. Oui, c'est prêt. Parti, on va faire un petit transport. Tous à vos postes. Et on va lui en mettre allez 30 histoire d'être tranquille. Oui. Voilà. Bon bah ça avance pas mal. Oh bah déjà tout ce temps là, bah on va s'arrêter ici pour la VOD et je vais avancer un petit peu. Hein, histoire de mettre en route les différentes productions et puis on reprendra la prochaine fois. A bientôt.